Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Je te le disais qu'un certain comment être député, une telle sensibilité qui se sont réunis pour reviser la constitution. Mais d'après les éclairages, il s'en sort que ce sont tous les députés, à l'exception de quelqu'un et de l'auteur de pire parti qui a voté l'abstention. Et donc, il y a eu consensus autour de la révision. Si on va réviser la Constitution pour que on puisse améliorer les choses, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas y adhérer. Donc maintenant, nous sommes éclairés, nous sommes sûrs, nous avons entendu. Et nous qui va les défendre, et c'est pour les trois amis, il va les nibé, relève-tube, il va les nuémer. Il y a des yoyoa, et nous qui défendons, nous avons vidé, nous avons togo vioa. Nous avons que nous avons mis les adés. Quand vous voyez, on a donné, et nous avons mis les adés. On a mis, on a mis. Il y a un bon ami, il y a un bon ami. Il y a un bon ami, il y a un bon ami. Il y a un bon ami. Il y a un ami. Il y a un bon 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 que mi ami le mi abe poprote mi o chami la me debe poprote a go sonya na mi ami la yo mi a ko ni tu me vio wa mi la sonya so na mi boa ndo la no ni ni aken gbe o bo tu ma plo mi we dia e wo ebe mi vale e tu me sedete que le hene ne be muva e ke mi la honya la so na mi a be de ke mi po edo ma e ye yin ke mi mle mo nje ti wa wa ne mi le ne osso ne be nya fa mi agbo a sigbe amegan ho ni ni a ogbon na be amegan ho mno na fun gbo e afun gbe na ye mi ma nu ju gbo wa ejua e la gbe o wa mi a bi osso mi agbo be ni nya won fa na mi a nya 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 ke mi a tin to ne ne ba mi o wa sigbe amegan ho ni ni sigbe to gbe bubu to o ni ni sigbe eju kele polo wa me gbe to ko mi a nya we ni jua ye mi le poro mi nene mi agbon won mi le mi abe poporote boa ne nya joa mi a o mi so ne banana ye la webe ne nya le fana mi a mi o cha mi la yo mi agume bi o mi agbon na mi be e nya ya de ke ye e ju poroto so bana yo we ya nene ke mi a ple do mi a ple ne mi a tro do an ya na mi ne mi a do don voa ke mu le nene o wa mi ti mi agbon na mi ni atogo vi obe enya won be mi mu ko egbe a ko so olo never mi agbo mi anya de ke mi agbo nti ruwa ni funa ne bafa ni ami si ami ne be anan lo a pe na mi lo. Avant de vous laisser regarder la suite de la vidéo, j'aimerais faire un petit résumé de cette vidéo, la partie de la dame, pour les internautes qui ne comprennent pas la langue évée. Elle dit ceci, elle interpelle les chefs traditionnels. Vous savez, il y a une campagne de sensibilisation destinée à nos chefs traditionnels sur la modification de la Constitution et puis le nouveau régime. Ça a déjà commencé
Et j'ai même déjà partagé une vidéo sur ça, c'est-à-dire la vie de nos chefs traditionnels qui ont participé à cette campagne de sensibilisation. Et ils révèlent qu'ils sont satisfaits. Et maintenant, ils vont maintenant repartir, sensibiliser aussi, parler à leur population sur ce nouveau régime. C'est-à-dire, beaucoup ont été satisfaits parmi eux. Beaucoup ont été satisfaits parmi eux. Maintenant, la dame est en train d'interpeller nos chefs traditionnels, ces derniers, sur deux questions. Est-ce qu'ils sont consultés avant la modification de la Constitution ou bien c'est quand les Togolais ont commencé à crier que nos députés sont allés vers eux pour parler, pour discuter avec eux maintenant? Donc, les gars, c'est juste un petit résumé. C'est juste un petit résumé. Et quand j'ai regardé la vidéo de nos chefs traditionnels, plusieurs commentaires sont négatifs envers nos chefs traditionnels. La question que moi j'aimerais poser à tout un chacun de nous est que quoi? Est-ce que nos chefs ont le choix? Est-ce que nos chefs ont le choix? Est-ce qu'ils ont un choix de dire non, de prendre une position devant nos autorités? C'est la question qu'il faut se poser. Même nous qui sommes ici, si on prend une personne parmi nous, ou bien vous qui êtes là-bas, si on prend juste une personne parmi vous et on vous dépose devant le chef de l'État, je pense que vous allez oublier tous les mots, je vais dire, tout ce que vous avez préparé dans votre tête là. Vous allez les oublier tous, quoi. Juste devant les députés, devant un député, on te prend, on te dit, OK, vas-y, vas-y, vas-y. Ce n'est pas derrière la caméra ou bien sur l'écran et tout. Face à face, pose tes questions maintenant, discute avec le député. Tu as dit plusieurs parmi nous ne peuvent pas. Et maintenant, nous remettons la faute sur nos chefs traditionnels. Les gars, sincèrement, ça c'est juste une question pour vous. Est-ce que ces derniers ont le choix de décider, connaissant bien notre pays? On ne doit pas se voiler la face, hein? On doit juste dire la vérité, les gars. Moi, j'ai du mal pour eux puisque nous allons remettre la faute sur eux. C'est à eux de dire. Ils vont dire non, pourquoi? Et leurs noms vont changer quoi, les gars? Est-ce qu'ils ont le choix, les gars? C'est compliqué, ce qui est fait est fait. Donc, je pense qu'ils vont juste suivre vous savez, les choses. Et puis, à la fin de la journée, ce qui doit être fait sera fait. Et puis, c'est fini, les gars. Ai-je menti, les gars? Vos avis dans les commentaires. Est-ce que ces derniers ont le choix? C'est juste moi mon point de vue. Hein. C'est juste moi mon point de vue. Vos avis aussi dans les commentaires. Puisque nous connaissons, nous sommes tous des Togolais, nous connaissons bien les réalités de ce pays. Et dire que non, les chefs. A dit, imaginez, quand on était à l'école, on vous dit sortez, tel ministre arrive, allez-y, faire ceci, faire cela. Est-ce que quand tu refuses, on te donne le quoi à l'école? Quand tu es absent, a dit, tu as des problèmes. A dit, tu as des comptes à rendre, quoi. Et nos chefs traditionnels, est-ce qu'ils ont le choix, les gars? C'est juste mon point de vue. Je me suis senti mal pour eux parce qu'il y a que des commentaires et tout, et tout, et tout. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas de choix. C'est juste mon point de vue. Vous avez dans les commentaires, les gars. Et on se capte dans une nouvelle vidéo, les gars. Bye bye.